Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et le match est donc lancé. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La faute. Oui, ça démarre fort, c'est le premier joueur de son équipe averti. Oh, le cadeau! C'était une bonne intervention. Lille qui a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs. Belle série en cours. Et le centre bien placé. Et il dégage. Un centre encore. Marié. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Dijon qui peut avancer. Allez. Il décide d'allonger le jeu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Amalfitano, il cherche son coéquipier. Il écarte sur l'aile. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention là, c'est centré. Renato Sanchez. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Marié à droite. C'est repoussé. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Marié. Ouais, il reste beaucoup de temps, mais toujours pas le moindre tir. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ouais, il a trébuché sur cette intervention. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il connaît, qui veut... Rémi ! Oh, quel bel arrêt ! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. Le bon dégagement. Mais le ballon a franchi la ligne. Marié. À Gerbe, il allonge vers l'avant. Va-t-il en profiter? Marié. Samaritano. Bonne intervention, il y avait danger. Il faut faire les bons choix. Bamba qui cherche la profondeur. Oh, il y a danger. Il rejoue derrière lui. Le soutien derrière lui. Oh, que ça va partir vite. Il allonge le jeu. La bonne passe. Il est passé. Il peut en profiter. L'arbitre accorde un corner. Il ne manquait pas grand-chose là.
Et ce corner à la rémoise. Et le ballon est sorti. Touche. André maintenant. La bonne interception. Samaritano. Il file dans l'axe. C'est bien donné. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il est bien placé. Allez, ça doit faire but. Renato Sanchez. La longue passe. Il se fait pardonner. Attention. Bien concentré, bravo. C'est joué long. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Mais le gardien fait un très bel arrêt. Bamba. Renato Sanchez. Il relance côté droit. Il prend sa chance. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Ça joue long vers l'avant. Mateus Pereira qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. C'est joué dans la profondeur. Ikoné. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Il repique dans l'axe. Il tire. Lotoa. Samaritano. Il cherche en profondeur. Ça peut partir en contre. Bien, la profondeur. Le centre tendu. Ça sort, touche. Renato Sanchez. Renato Sanchez. La relance côté droit. Il connaît. Dijon s'engage dans une possession un peu stérile. Aguerd qui joue long. Ce ballon bien dosé. Mateus Pereira. Reçoit le ballon. Ouf, un peu d'air. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils ont terminé très fort, et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Faut qu'ils reprennent avec la même intensité. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période a donc déjà débuté. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. André maintenant. La passe dans la profondeur.
Il est intervenu. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Amalfitano. Et dégagement du gardien. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bamba. C'est joué long. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite se calmer. Renato Sanchez. Çelik. Et le carreau se dérobe largement. Ah, quel dommage, il était pourtant en position idéale. Bruno Ekwelemanga. Amalfitano. Aguerd, Marié, un long ballon vers l'avant, la défense s'en sort là. André maintenant, et on attend toujours l'ouverture du score. Renato Sanchez. André maintenant. Le jeu repart vers la droite. Bien travaillé. Dans... Oui, il peut frapper là. L'assistant lève son drapeau. Le gardien dégage loin. Il tente de la jouer dans l'espace. Samaritano. Il avance bien. Il tire. Il connaît. Ça manque vraiment de clarté. Il s'impose physiquement dans ce duel. Lotoa. Amalfitano. Il a du champ sur le côté. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Bamba. Le tacle. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Samaritano. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Oui, là, il y avait clairement faute. C'est l'occasion de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Il est là pour dégager. Et le ballon continue de lui coller au pied. Oh, bon centre, devant le but. C'est dégagé. Oh, la frappe. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes.
Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Marié. C'est bien fait, ça. Samaritano. L'arbitre signale une faute. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Le jeu reprend, ça fait 1-0. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique? Vous avez 4 heures. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Il file sur l'aile gauche. Le bon dribble. L'accélération. Ce ballon dans la boîte. La tentative. Il y a danger. C'est une autre chance. Ils étaient tout près de revenir au score. Regardez comme ce but les a galvanisés. Continuez à vous créer des occasions. Tout peut arriver. Bruno et Colemanga. Lotoa. Amalfitano. Lotoa. La passe en retrait vers son défenseur. Il cherche ses attaquants. Bonne interception, il y avait danger. Soumaré. Renato Sanchez. Soumaré. Celik. C'est joué dans l'espace. Touche. Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. En retrait pour repartir proprement. Votre opinion, Darren, c'est terminé ou ils peuvent encore y croire? C'est vrai que c'est compliqué, mais ils doivent continuer à y croire. Ils récupèrent le ballon, c'était un bon pressing. Ça peut être extrêmement dangereux. Luis Araujo. Il change d'aile. Bamba. Le ballon dans la profondeur. Un bon ballon dans la profondeur. Oh, la tête! Ça s'est joué à rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Amalfitano. Et ils essaient de repartir de derrière. Long ballon dans le sens du jeu. Lotoa. Amalfitano. Samaritano. Luis Araujo. Dans la profondeur.
La passe est précise. En bas. Il rate le cadre. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Bon service dans la profondeur. L'ouverture sur le côté. Allez, ça peut faire mal. Il peut centrer. Là, il a préféré jouer la sécurité. C'est joué long, attention. Oh, le contre, l'arme fatale. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Ce n'est ni la faute de l'arbitre, ni la faute de l'entraîneur. C'est sur la pelouse que cette défaite logique s'est jouée aujourd'hui. Ils ont fait quand même un match de bonne qualité. Malheureusement pour eux, il y a eu cette petite erreur en deuxième mi-temps et ils ont payé cash. Merci Darren Tulette, vous avez été parfait comme d'habitude. Salut à vous, à bientôt. Merci Grégoire.